Nose et action. Je vais essayer de tout condenser dans la même vidéo. Donc je ne vais pas trop tarder à vous montrer tout ça. Bibou est à la sieste. Il fait super beau. Mais bon, je pense que ça va alterner entre super lumineux, un petit peu moins. Enfin voilà. Donc je vais commencer par Nose. C'est là où c'est que j'ai le plus de choses. Il y a déjà un article que j'ai donné à Bibou. Belle la gratte. Donc il y a déjà un article que j'ai donné à Lulu. Je vais acheter une voiture Cars. Et elle est assez grosse. Je vous mettrai une photo maintenant. Qui m'a coûté 12,99€ je crois. Aujourd'hui on allait au champ regarder un petit peu. Ils ont vendu une beaucoup plus petite, plus chère. Donc voilà. Bon, ils ont pas mal de produits de licence Cars, donc c'est pour ça que j'aime bien. Enfin j'achèterai tout. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Tout d'abord je vais trouver un petit ensemble en 18 mois. Vous avez le pantalon, la paire de chaussettes et le haut manche longue. Je l'ai eu pour 4,99€. Donc voilà, ça vaut le coup. Il va être tout mignon là dedans. Et voilà pour quand il fera pas super super beau. Hein, il y a, le matin par exemple, le matin il fait frais encore, donc avec ça il va bien. Donc voilà pour cette petite ensemble. Ensuite j'ai trouvé voilà un petit appareil pour faire des grosses bulles pour 1,20€, licence. Oh, excusez-moi. Ah, il y a trop de soleil quoi. J'ai pris le boxer pour mon homme. Donc 3 boxers pour 5,99€. Voilà, c'est ça. Voilà ce que ça vaut. Ensuite, je vais pris une petite boisson. Elle n'avait pas de prix dessus, donc je sais pas trop. Une petite boisson. Et puis juste avant, j'ai trouvé la canette super jolie. Donc je pense qu'après on va la garder. Toute jolie. Une petite mallette à l'unité pour Bibou plus tard. Elle va coûter 1,99€. Donc trop mignonne. Donc Martin, Flash. Voilà. Magnicile. Voilà. J'ai trouvé super cool. J'ai pris des lingettes bébé, c'est la première fois que je les voyais celle-ci, donc à 1,09€. Hop. Donc, il y en a 120 dans le paquet. Il y en a 120 dans le paquet, donc il n'y a pas de parabène dedans. Donc je vais essayer celle-ci. Je me suis pris un petit carnet à 1,50€. Ma soeur me l'avait montré, elle l'avait trouvé dans son Nose, mais elle n'avait plus qu'un, elle ne pouvait pas m'en prendre un. Du coup, bah, moi je l'ai trouvé. Et je le trouve trop trop mignon. Voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans, mais je veux bien lui trouver une utilité. Ensuite, j'ai pris des petits Kinder, enfin Kinder, non. Cookie surprise, ils appellent ça. L'effigie de Flash McQueen, hein, des Cars, à 79 centimes. Donc dedans, il peut y avoir plusieurs petites. Je crois que vous allez bien voir. C'est complètement bidon, mais c'est pas grave. C'est l'effigie de Cars, il va être content, il aura un petit peu de chocolat. Hein. Voilà. Je me suis pris de la lessive, donc j'ai pris de la super croix en berlingot là. 5,49€. Voilà. Il me fallait de la lessive. Je vais en profiter. Ensuite, je me suis pris une petite paire de lunettes. À 1,99€. Ça ira très bien pour aller dans la voiture. Voilà, ça. Il y en avait plein de sortes différentes. Je me suis pris du chocolat à 69 centimes. Il n'y a pas le soleil, il va se mettre là.
Voilà, 69 centimes, c'est au chocolat au lait avec des éclats de noisette, mi-criés. Ensuite, j'ai pris des granolas en version bar, là, jamais goûté. Ils étaient à 1,99€, donc voilà. On va goûter ça. Ensuite, je me suis pris un mascara. Il y avait la marque Michel Avalanti, il y avait du Winnie aussi. Bon, j'ai pris celui-ci. Il y avait plusieurs couleurs, mais c'est le Defining, je crois. Je me suis peut-être trompée. Non, ils avaient tous le même nom, mais pas la même couleur, mais il n'y avait pas écrit quelle couleur faisait quoi. Donc j'espère que c'est le curl. Enfin, j'espère. Enfin, je verrai bien, de toute façon j'en ai jamais qui doit, j'en ai un qui doit arriver. Mais là où ouais, je suis vraiment galère de mascara, donc de toute façon je vais l'ouvrir. Parce que je vais m'en servir demain matin. Ouf. Je vais le mettre sur mon front pour voyer un peu la brosse. Donc c'est du picot plastique. Donc, vous avez deux côtés. Je verrai bien ce que ça donne, mais elle me fait un peu peur. Hop. Et je sais plus trop comment ça va me coûter, je vous mettrai le prix à l'écran. Ensuite, je me suis trouvé une Maryse. J'en avais plein de sortes différentes, différentes formes, différentes couleurs. Donc moi j'ai pris une basique, mais voilà. J'en ai une, mais elle est un peu trop dure. Donc voilà, il m'en fallait une. Donc je l'ai pris à 1,50€. Voilà. J'aimerais bien la couleur. Hop. Donc le manche en bois. Ensuite, dernier produit. Oui, chez Meuse, j'ai pris des crackers chez Eudbert. 1,19€, des céréales soufflées. Donc en petit encas comme ça, ça peut pas être mauvais, je me dis. Enfin, ça peut être mieux que les gâteaux apéro. Ah, voilà. Donc ça c'est pour Meuse. On va passer à la poche Action. Donc Action, j'ai pris un set de table. Voilà, il fait Flash McQueen encore, hein. Désolé, mais bon, il est fan, donc si on le regarde déjà bien 2 à 3 fois par jour, hein, quand je suis de repos avec lui, donc voilà. Donc pour mettre sur la table, pour qu'il évite de m'en mettre partout sur la nappe, voilà. Donc ça c'est pour vous. Ensuite, encore du Cars. Un ballon gonflable Beach Ball. Voilà, l'effigie de Flash McQueen. Voilà, comme ça, hein, il aura un petit ballon gonflable qui ne sera pas trop dur. Et voilà, je pense qu'il va bien aimer pour pouvoir sortir dehors aussi avec. Voilà. Ah, j'ai reçu des principes. J'ai repris de la gâte. Celles-ci, je les prends à chaque fois. Je les aime beaucoup. Donc, pour le visage et les mains. Après manger, je vais nettoyer le visage et les mains avec ça. Et voilà. Elles sont très bien. Voilà. Je les aime bien. Elles sont pas chères. Ensuite, je me suis pris une petite palette d'highlighter. Avec 5 highlighters à l'intérieur. Les scotchés. Voilà. Donc il y a un petit pinceau et vous avez un miroir et vous avez les 5 fards. Je sais pas si je le mets au seuil, vous allez voir. Enfin, je vois déjà rien dans mon retour écran en même temps, mais voilà. Voilà, donc c'est des highlighters. Moi de toute manière je m'en servirai en tant qu'highlighter et en tant que fard, parce que bon, il y en a rien que celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Celui-là rien que sur moi. Ouais, je peux mettre ça en highlighter, donc quoi. Hein, mais voilà. Bonne pigmentation. Et en fard, ça peut être vraiment très joli. Vous n'allez rien voir, il y a trop de soleil. Voilà. Donc voilà. C'était pas très cher et c'est relativement joli. Voilà. Ensuite. J'ai pris des Massini parce qu'on aime bien. Ensuite j'ai pris le masque peel-off là, avec la spatule qui attire le machin. Vu que c'est
C'est de tout charbon, je pense. Charcoal, facial masque, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une petite partie? Charbon de bois, masque visage, donc oui. Ça peut pas être mauvais pour moi. Je vais tester ça. Ensuite, j'ai repris un déodorant Dove original parce que je l'aime bien. Sent bon. J'ai pris ça pour mettre dans ma poubelle parce que c'est une horreur. Microbiologique. Désodorisant, conteneur à déchets. Donc, on va tester. J'ai repris un allume-gaz pour mettre dans ma chambre pour allumer mes bougies, mes tartelettes. Voilà. Je me suis pris deux footies en noir. Un petit désodorisant pour ma voiture. Je l'ai jamais testé celui-ci, je sais pas trop ce qu'il vaut. 45 jours, moi je verrai bien. Mais voilà. Des petites chaussettes. Donc un autre 3. Vous avez les différentes couleurs. Bon, moi j'ai pris bleu. Je croyais que c'était fini pour Cars, mais non, j'ai pris des petites chaussettes Cars, c'est en taille 23-26, donc c'est la prochaine taille qu'il va mettre, et en version été, des sockets, voilà, donc des petites sockets Flash McQueen. Et j'ai pris des manettes, voilà, des manettes basiques pour pouvoir mettre sur le frigo, mettre tout ce qui est important. Voilà, donc il y en a 24 à l'intérieur de tailles différentes et de couleurs différentes. Voilà, j'ai réussi à vous faire une vidéo de quasiment 15 minutes quand même, mais voilà, j'ai réussi à mettre deux hauls en un. Voilà pour mes achats Action et Nose. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits, si c'est bien ou pas. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.